Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 9 du Let's Play de Ark Aberration en compagnie de Kabur, Kaya, Izilou et Siri Wolf. Et coucou. Coucou. Drax, il est parti, hein, on est bien d'accord. Oui, il est parti. Non, non, il est revenu. Il était parti manger, il est revenu. Voilà, Drax est revenu. Donc on va y aller à 6. On va essayer de sortir. Alors j'ai mon stuff, tout le monde a son stuff, hein, de, vous voyez, une espèce de tenue de cosmonaute que j'ai ici, voilà. J'ai pas mis le casque encore parce que ça gâche un peu la vue, c'est pour ça, mais je vais la mettre après, hein. Et ça, faut pas que j'oublie, surtout pas. Ah oui, parce que sinon, en fait, la tenue anti-radiation, le truc c'est qu'elle fonctionne uniquement quand elle est au complet. On serait con de. C'est pas comme par exemple une tenue de fourrure qui te réchauffe, si t'as juste une partie, ça réchauffe un peu. Là, non, là l'effet fonctionne seulement si elle est complète. Bon, au moins c'est clair. Par contre, toi t'as des gants blancs. Tu les parce as que je me suis peint. Ah d'accord, peint. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est mieux parce que les gants jaunes là, c'est un peu dégueulasse. Bon, peu importe, on va prendre les ravageurs. Est-ce qu'il y a assez de sel pour les ravageurs? Normalement, oui. Il y a une avoir une qui traîne à l'intérieur dans le smithy, je crois. Parce que là, je crois qu'il nous manque juste une selle. Il y a deux ravageurs en plus, donc ça c'est bon. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai une grosse barbe. La question que je me pose, c'est si je mets le casque, est-ce que la barbe, elle remplit le casque comme ça? Ah non, ah non, il m'a rasé. Il m'a rasé. Je voulais essayer pour voir. J'en ai une qui traînait. Ah, attends, je te mets sur lequel? Sur le 108? Ouais, vas-y, sur le 108, peu importe. Tiens, au passage, t'as une hache à l'intérieur, c'est bon. Une hache en métal, j'ai vu ça, effectivement. Ouais. Eh bien, allons-y, en espérant trouver de la viande, parce qu'il a pas de viande dessus, hein, je crois. Je vais remettre les... Voilà, les écritures. Ah, mon ravageur, j'ai du niveau, je fais quoi? Il a 8 points, on m'avait dit de la vie. Ouais. Et alors, au niveau des stats, moi, ce que j'ai fait plusieurs tests, et ce que je trouve le plus correct, c'est 5000 de vie, minimum 1000 de stam. Ensuite, les dégâts, on peut les monter comme on veut, mais la vitesse, 150, pas plus. Bah écoute, bah moi je suis prêt. Donc après, j'ai augmenté L'attaque et la vie. Ok, ok. 4 et 4, parce qu'il y a 8 points. Alors, par contre, on n'a pas de petit fien pour la lumière. Du coup, je prends une torche parce que il crève en haut. Ouais, ouais, avec les radiations, en fait, il meurt automatiquement. Oula, c'est bon. Au bout, on bug un peu. Je sais pas si c'est pas pareil pour tout le monde, mais. Non, en fait, je pense que les ravageurs ils peuvent sauter de pilier en pilier. Et en fait, vu que j'ai mis un pilier, dès que tu sautes, il reste bloqué dessus. Par contre, c'était pas la peine de descendre tout en bas. Faut aller où alors? Restez en haut, on va aller tout droit. Reste en haut, voilà. Ça ira plus vite. Et après? C'est bon, on va tout droit. Ah, moi je suis loin. C'est loin ou quoi? Ouais, on t'attend au verre, ouais. Pas tant que ça. En fait, tu sais, c'est le trou, on y est déjà passé. Il y a un deux tout à l'heure, donc, dans l'autre vidéo. On est passé à nous. C'est à Drax, c'est des caisses. Je vois rien du tout. Ah, c'est bon. Alors les torches, on a tout, on a de la bouffe, on a de la flotte, c'est bon. Et on va voir comment c'est, parce que moi je sais pas comment c'est. Vous savez, vous? Ah non, du tout. Non, du tout, il y a que quelqu'un qui a été. Non, j'ai essayé de monter, mais en fait on prend des radiations, donc c'est pour ça que maintenant qu'on a les tenues, on verra bien. Ah. Alors je pense qu'il y a des bestioles pas très sympas en haut, hein. On verra bien. Bah on va voir ça, soit au pire, au crève, bah... Voilà, ouais. On va visiter. Là, il y a beaucoup de saloperies, il y a des ravageurs qui avec des tifiens. On laisse tomber. Ouais, bah tu laisses mon chien, le petit chien là-haut. Vas-y, attaque-toi à quelqu'un de ta table. Ah oui. Tiens, on a fait un gros 50 là. Il est passé, voilà. Un peu de viande. J'ai pas réussi à en avoir, mais c'est pas grave. Alors, c'est bien, du coup. Ouais, tout à fait. Et le piolet, j'ai pas essayé moi, donc du coup, ça se trouve, je vais me planter aussi. Mais ça, le fail, là, vous connaissez. Malgré qu'au deux derniers épisodes, j'ai pas failé. Mis à part les saloperies par terre là qui endorment, enfin qui tuent d'ailleurs aussi. Oui, ouais, ça t'endort, c'est juste pour dire on va te tuer tranquillement. Donc là, on peut marcher dessus, on n'a pas de chien. Sur quoi? Sur nous. Ah oui, oui, oui. Donc ils peuvent pas s'allumer, donc du coup, on est relativement tranquille, je pense. Voilà. Par contre, les combinaisons, elles vont mourir, hein, dès le début. Hein. On sait pas, ouais, on sait pas si ça consomme la durabilité. Non, mais elles vont mourir, je veux dire, si on rencontre des grosses bêtes. Oui. Si on est désarçonné, on est mort, quoi. Il y a moyen parce qu'elles ont pas l'air d'avoir beaucoup de durabilité donc je pense que. On va éviter de faire un caoutchouc hein donc. C'est clair, un coup de griffe tu sais. Ouais, je pense que voilà. Et concrètement, un coup de griffe ça sert plus à rien là. Ouais, tout à fait. Aussi, oui. Effectivement. Genre... Oh là, c'est quoi ce pic là? Il y a un petit poney. Ouais.
C'est quoi ce pic là? C'est... je sais pas. Un pic? Ouais, regarde, ouais. Des pics. C'est des pièges, c'est quoi? Non, je pense que non. C'est la décoration. Peut-être un bug de texture, d'une liane qui monte, ou un truc comme ça. Attention aux champignons, hein. On sait jamais qu'il y a des champignons. Bah, ceux-là en plus, oui, j'ai fait le test tout à l'heure. Tu marches dedans avec la combinaison, ça te fait rien. C'est pas des trucs de la mort là, comment ça s'appelle là? Non, c'est pas ça. Les tumouches, un truc comme ça là. Ouais, c'est ça. Normalement, ça ressemble à des champignons tumouches pour ceux qui connaissent. Ah oui, parce que les trucs de la mort en fait, c'est des champignons comestibles, je crois. Donc là, par exemple, voilà, ouais. J'ai mis une liane. Parce qu'en fait, en bas, c'est là qu'on a un récolteur de boules de gaz. Attends, faut la voir ta liane à la con. Là. Ouais, et j'en ai chié pour la poser. Et... voilà, il y en a deux, hein, donc faites attention dès que vous êtes arrivé en bas, il y en a une deuxième. C'est la classe. Ah, par contre. Bien, merci, Zéou, à commencer. Hop, voilà. Ah bah, c'est tombé. Non, mais c'est bon, ça fait le taf. C'est bon. Au pire, on tombe, c'est pas grave en fait. Ouais, là, y'a pas trop. Pardon. Sérieux, j'ai ma kiblo. Bah oui, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont mis le kiblo. Ils étaient superposés. C'est encore un bug. Mon ravageur a compris un niveau, je vais lui mettre un niveau. Donc, on avait dit en. Moi, je le sens en damage. Donc, t'as vu le petit bouton, il est trop beau. Peu importe, je vais alterner de toute façon. Et allons-y. Les traces là, voilà. Ah, il est tout vert. Bah, t'as vu. Bien, bah, ça se passe bien. Pour l'instant, ouais. Moi, je suis content, j'adore les décors, moi, ça me fait toujours rêver. J'ai pris un niveau, et voilà. C'est chiant parce que l'animation est vachement longue sur le ravageur quand tu mets niveau. Donc là, ah, par exemple, ça. Tu vois, ici, ouais. c'est notre extracteur à nous. Il est là. Ah, bah, d'accord, je vais l'ouvrir. Ah, d'accord. Voilà, bah, c'est le plus proche que j'ai trouvé, les autres étaient tous pris. Si tu veux regarder dedans, alors à savoir, tu vois, donc ça se remplit. Je l'ai vidé tout à l'heure hein, pour construire les, pour faire les tenues. Là, ouais. Ça se remplit vite. Hein. Et, y a une... et en fait, regarde, il a des PV. Donc, c'est une durabilité. Dès que les PV sont arrivés à zéro, ça casse. Alors, la durabilité. Ah, d'accord, ok. On peut le réparer par contre. Bah, attends, avant que ça arrive à zéro, on a le temps. Hein. Ouais, bah là, je l'ai posé hier. Hein. Ah, oui, d'accord. Ah. Okay. Ouais. Mais quand même, hein. Ouais. Parce que là, t'as viré 6, c'est ça, sur 7500. Je l'avais vidé en... Ah, oui, les boules de coin. Ouais. Donc, ça fait un millième, et t'as déjà eu une centaine de boules, quoi. Oui, je l'ai déjà vidé 3 fois au total. Donc. Mais ça coûte cher peut-être. Hein. À crafter, non, pas tant que ça. Ouais, ah, ni par rapport au niveau où on est maintenant et les ressources qu'on a, ça coûte pas si cher que ça. J'ai pas changé de ravageur, quoi. Ah, si, t'as pris Coyote. Non, bah, c'est Zilou qui a pris le mien, non, il me semblait. Je suis pas sûr. Non, Zilou à la fois. Non, moi j'ai pas mal. C'est Zilou chez la Maurice. Ok, bah. Qui va mourir? Quand, en fait, ouais, faut pas se tromper, c'est qu'en fait, t'as Coyote et y'a Coyote. Mais non, mais en fait, et moi j'ai pris le dernier qui restait. Donc, c'est Drax. Moi j'ai Coluche, quoi. Je vois, c'est Drax. Ouais, non, mais je l'ai depuis le début. Bah écoute, je sais pas. Le trou est au-dessus. Bon, faut qu'on arrive à monter au-dessus. Franchement, peu importe. Là, ça va être du saut de mouton. Ah. Mario. Pourquoi tu mets pas une. Une tyrolienne? Ah oui, pourquoi je m'embête? Bah oui, j'ai raison. Bah alors? Pourquoi je m'embête? Franchement, non, j'ai mis une tyrolienne. C'est bien dur. On est trop dessus, Tyrolienne, il est là. Vous battez quoi ou pas là? Par hasard. Ah, ok. Non, on peut pas grimper là, franchement, arrêtez conneries. Je l'ai fait en ravageur, ça va, c'est chiant. Hop, voilà, Tyrolienne, problème réglé. Allez, tous avec le. Ne vous superposez pas, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Ah, j'ai passé. Alors on peut passer en dessous aussi, comment vous faites ça pour passer en dessous? Bah tu fais t'appuies sur C en fait, c'est bien pratique quand attends. Tu croises. Ah. Ah mais il grimpe moins vite par contre, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Hop, et là vous pouvez vous lâcher. J'ai tiré un peu haut. Que. Alors par contre j'avais trouvé un dino dossier ici je crois, j'ai trouvé ça la dernière fois. Il y a des ici. Et des os, ça, ouais, c'est là, ouais. Ouais c'est ça, ici. Voilà. Ici il y a du... Alors du coup ça augmente notre XP, du coup ça veut dire qu'il va... Ouais ça fait un buff pour l'XP. Parce que là ça va durer 10 minutes quand même. Et du coup tout le monde prend des niveaux, bah moi aussi j'ai pris des niveaux alors... Alors attendez, on va mettre les niveaux, du coup en vie. Deux en vie, et puis moi je vais mettre sur moi. Petit free charge jamais. Vous mettez quoi vous? Mais les damage ouais, j'ai mis en vie. Non mais j'ai mis en vie. Attendez, venez par ici, vous allez voir un truc. J'étais nul, on met les damage, je vais rajouter un peu. Revenez. Oh, il est tout petit. Vous êtes au bout, venez dans le coin là où je suis. J'arrive. On a des joueurs qui sont dehors. Regarde sur ta droite, en haut. Oh!
à l'extérieur avec le bout de l'arche. C'est ça. Enfin, l'une grosse l'une arc. Ok, bah voilà. Et du coup, tu vois le mur qui est là. Ah bah tiens, il y a une tyrolienne. C'est quelqu'un qui est déjà passé. Ouais. Ouais. Ah bah tu vois, je. Ouais, mais par contre, si on grimpe avec les mecs, on est mort. Quoi. Je sais pas s'ils prennent des dégâts d'abord. Ouais, essaye. Faut voir. Est-ce qu'ils se font one shot? C'est pas du tout ça le problème. Ah non, attendez. À la limite, on peut essayer de monter en piolet. J'allais voir moi. Ouais. Sinon, ah ouais, je saute. Si je vois que ça pue, je. Ouais, bah, faudrait qu'il y en ait un qui aille devant et faire le cobaye. Attendez, moi je suis en haut, je vois rien du tout qui m'indique que je suis dans la merde. Hein. Ouais. Donc je pense qu'on peut. Hein. Je pense qu'on peut. Cherchez pas, on peut. Hein. Ah non, sérieux. On peut. Ah, par contre, j'ai pas mis de casque. Attendez. Mon casque. Ah oui, le casque, voilà, il fallait pas oublier. C'est bon, j'ai mis le casque, c'est bon. Là, je pense qu'il faut le laisser ici, non? Non, en fait, on prend déjà des dégâts. Non, en fait, il ne prend aucun dégât, le ravageur. Je sais pas. Bah, c'est tant mieux. Bah, c'est nickel. Alors, ça ressemble à Scorched Earth, mais encore plus. En fait, on est sur. Regarde, tu vois bien, on est dans l'espace. On est sur un. La surface. Je pense que c'est l'une des îles un peu bizarres, tu sais, comme on voit sur The Island à la fin du boss quand on vole dans le ciel. Là. Oui. Ouais. Ouais, tu rentres ces trucs-là. Ah non, il y avait un drag. Non, oh, regarde, viens voir à droite. Où ça? Un petit dragon. Où ça? Ah, bah, il y en a en face aussi. Ah, ouais, c'est un Amless là. Ah, bah, un Amless, on s'en fout ça. Ah, c'est une sorte de chauve-souris. Puis il y a le fort en plus, celui-là. Ah, je suis drag, c'est oula. Il y a un drag. Ah non, il y a un gros là, on fait quoi? On se casse? Ah oui, c'est un Reaper Queen. On rentre, on fait quoi? On le tue ou quoi? On le tue? Quel niveau le truc? On est 6, il y en a deux. La vache, il jette des choses. On se casse ou quoi? Il est niveau 16, il est excellent. Ouais, mais attends, on sait pas comment ça fait de dégâts ce truc là. Ils sont deux. On y va à 6 ou pas? On a un buff, tapons-le. Tapons-le là, soyons fous là. Vous prenez des dégâts, vous dites, on saute. Ouais, je surveille ma vie, moi. Surveillez bien votre vie. S'il y a de la vie, si votre vie est morte, vous vous cassez, je sais pas, parce que là, vous restez pas là. J'ai rien de taper dans le vide, moi j'ai pas beaucoup. Ouais, quand il tourne là comme ça. Hein. Ouais, quand il tourne là, bah, j'ai pris un quart de mur. Tous les petits. C'est bon. Ah, c'est non. Les Nameless. Ouais, en plus il y a des petits à côté là. Moi, alors, ma vie est aux deux tiers. Ouais, y'en a un. Comment vous dites comment? Non, j'ai pas. Moi qui ai plein de Dalgan, la vache, ils sont vachement forts par contre. Ma vie était presque à la moitié de mon. Ouais, mais le tien, c'est vrai qu'il est pas très. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On s'en sert quasiment jamais, il est tout nouveau celui-là. Rondu. Ils sont deux, hein. Enfin, je crois qu'ils étaient deux, je crois. Bah, si, moi j'en ai un tout seul avec moi. Ouais, bah, attends, là je morfle, là je suis au quart de ma vie, là. Peut-être qu'il faut que j'arrête les conneries. Ouais, parce que là j'ai risque de mourir. Je suis obligé de reculer, désolé, hein, mais il est au quart de sa vie, donc à un prochain coup. Ouais, vas-y, mets-toi les cartes. Donc, s'il y a des ravageurs, s'il y a des petits, j'irai les taper. Moi aussi, je pars. Non, mais mettez-vous tous dessus, hein, pour info, parce que sinon, vous l'aurez pas. Ah, il suit sa rivale, ça. Il saigne même pas, quoi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. En fait, qu'on est pas prêt de la moi, j'en ai rien tout seul, je galère. Je vais venir vous aider, celui-là. Ouais, mettez-vous tous dessus, parce que sinon, ça va pas le faire. Comment on régène les ravageurs? Il faut qu'ils mangent la viande. On peut les forcer ou pas? Ouais, mais ça va pas monter beaucoup vite. Enfin, ah, c'est The Reaper King et pas Queen. Ça, le défaut, c'est les... Oui, y a pas de Queen, en fait. Y'a que des Kings. Il y a l'air de récupérer de la vie. Ah, mais là, ils sont après moi. Moi je prends cher. Bah moi là le dino j'ose pas quoi. Comment on le force à manger parce que là j'ai la viande sur moi. Tu fais E dans, tu mets dans l'inventaire, tu mets ta souris sur la viande et tu fais E. E. Comme E carrément. D'accord, effectivement. Ou alors tu restes appuyé, je crois que ça marche aussi. Ça le régène quasiment pas, je suis revenu presque ouais, à la moitié. Ouais c'est ça, je suis carnivore, c'est tant pis. J'ai à la moitié de ma vie. Là comment on fait là? Est-ce qu'on se casse à l'autre bout? Mais vous me je pense qu'il va y en avoir partout ces bestioles là. Y'a plein de petits en plus hein. Tapez des petits au moins. Non, là, on drague, les ça. Ravageurs sont rapides, on peut partir vite fait. Ouais, on peut partir vite fait, mais je pense qu'ils vont nous suivre. On va se coincer un moment, parce qu'on ne connaît pas. Et moi je morte, hein, je sais pas pour qui, mais là je porte tout le coup. D'ailleurs, encore, fais là. Gaffe, Kaya, tu vas mourir. Ouais, je sais, mais je suis protégé. Meurs, là, c'est le prix là. On est niveau là, histoire que je monte des points de vie. On attaque, je sais pas. J'ai 5 000 de vie, je suis déjà la moitié. Il faut aider Kaya. Bah, le problème, c'est que moi j'ai mourir. Il donne un coup de queue, le gros œuf, là je suis mort. Il y en a partout des bêtes là. Ouais, tu vois au moins les petites là maintenant parce que. Alors faites gaffe parce qu'en fait si vous tuez le gros d'abord, il y a un des autres qui va devenir gros à sa place. Je parle du rouge à la fois. Ouais, donc du petit gros quoi. Voilà, en gros faut tuer tout le petit avant de tuer le rouge. C'est ça. Et heureusement qu'on était 6, mais c'est un jouable ce joueur. C'est quelqu'un qui les a des aggro les machins ou quoi? Non, il est là-bas. Ah, c'est Kaya qui est tout seul là-bas. Ah, quoi que. Ouais.
Ouais, c'est sûr, il y en a plein partout. Putain, il est devenu gros, derrière moi. Il y a un gros. Tu vois, il s'est transformé en alpha. Alors, là, Drax, ma vie est vraiment au quart. Hein. Je peux t'aider, mais bientôt je vais partir en courant parce que là. T'as regardé là, Mless Apparemment, c'est comme Alien, d'après ce que j'ai compris, il faut que la reine elle te pondre un embryon dans le corps. Ouais. Oui, apparemment, ils ont complètement fumé les développeurs là-dessus, je sais pas, mais c'est un bordel. Ils sont partis sur Alien. À droite, il y a un truc. Moi qui est fan d'Alien, j'adore. Il y a un truc chelou à droite. Il y en a encore qui sort. Ouais, c'est une sorte de chauve-souris. Mais c'est à l'infini, il faut partir. J'ai envie de voir moi les chauves-souris. Où c'est qu'il y a une chauve-souris? Là, devant juste nous. Là devant. Ah oui, c'est une. Elle attaque là, elle attaque. Ah ouais, elle attaque. Bah on la tue, on fait quoi là? Au cas où elle drop quelque chose. On verra ce que ça loot. On serait pas venu pour rien au moins. Ah bah c'est efficace. C'était rapide. Eh, y'a du métal partout à côté de chez nous. Eh, y'en a plein qui reviennent là, y'en a plein qui reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? Y'en a plein de petits là. Continue à courir, c'est pas grave. Mais où ils sont les rocs? Eh, là y'a des cailloux très bizarres là. Y'a des gemmes rouges, je pense là. Ah ouais, je pense que c'est. Ouais, parce qu'en fait. Alors, venez voir si vous voulez où je suis. Il y a des cailloux avec du rouge à l'intérieur. Et je pense que c'est du. Drax, tu vas crever. Hein. Personne me voit là, tout le monde s'en fout. Non. Ah non, j'étais au niveau de Samy, j'ai cru que c'était toi. J'ai peur de descendre en fait et de prendre des coups, donc je reste en hauteur là. Non, il vaut mieux pas, je pense. Là, devant moi, là, vous voyez bien qu'il y a des cailloux avec des gemmes rouges à l'intérieur. Merde. J'arrive, Drax. Peut-être que je dis une connerie. Ah oui, hein. La vache, c'est quoi ça? Ah ouais. Il y a une chauve-souris là qui suit là. Hein? De quoi? Tu vas mourir, non? Là, je suis à mid-life. Ouais, mais il y a deux alphas. C'est de l'élément or. Oh, bah prenez-les! Tapez-les, ça! Ouais, alors attendez, il y a beaucoup de bestioles à l'entrée là! Tapez les bestioles qui sont sur vous là! Oui, on essaye! Parce qu'il faut défendre ses armes! Isilou, tu vas te faire avoir! Tu vas te faire avoir, Isilou! Moi je prends G1, je sais pas, mais là je suis au 5ème là, à peu près, là, de ma vie là! Sur le ravageur! Il y en a à l'infini de défense! Oui, essaye de les prendre sur moi! Kaya lui il prend très cher, mais tu tiens le coup quoi, Kaya? Ouais, mais c'est dur hein! Ouais, mais là il y en a beaucoup, mais si on se met tous en même temps. En plus, on a encore le bug, je vous rappelle. Ah, mais ça ressort encore, toi. Ouais, bah, former les éléments et on se casse, peut-être. Non? Parce que les éléments, je pense que c'est cool, ça. Ouais, j'en ai récupéré, je sais pas à quoi ça sert encore, mais on verra ça plus tard. Moi, je joue au chat et la souris. Là. D'abord, il me semble qu'il en faut pour crafter des éléments normales. Ah, c'est pas impossible. Ah, mais. C'est un alpha, celui-là. Je suis à mid là, je crois. Moi je suis à. Ouais, attention, ils attaquent ceux qui sont en train de farmer là. Tout dessus, faut défendre et puis il y en a qui ferment et les autres vont protéger. Non parce que ça fait que spawn par contre. Ouais, je sais, bah oui, mais je pense que c'est le but. Je pense qu'en fait on va à la surface pour des trucs comme ça. Là c'est intéressant à voir quoi. T'essaies qu'on fait on arrive à aller plus vite qu'eux, on essaie de se balader et puis on verra bien de toute façon. On va plus Ouais, alors attends, parce que je pense que c'est là. Ah, c'est ce que je fais. On peut essayer d'aller jusqu'à l'Argelette, mais ça fait une trotte, je pense. Je sais pas si ça marche. Quelqu'un qui a plus son ravageur, Ouais, c'est bah ça me fait ça, ouais. C'est sûr que là. Moi je suis au quart, là, j'ai remonté un petit peu, moi tout à l'heure. Ouais. Mais ça pop à l'infini. Vous voulez en former plus ou quoi? Et il y a la durabilité du plastron qui descend par contre. On se casse? Venez, ouais, on y va. On se casse. Ok, moi je vous suis, hein. On espère que ma vie remonte. Balader, on verra bien ce qu'on trouve. Alors du coup les kings là, vous avez fait quoi avec? Du tabac trop cher. Ils se sont réenterrés. Mais je pense qu'ils ont dû s'enterrer. Ah moi j'ai pris bien cher, je suis bien. Il y a les dragons là, il y a les drakes. Bien sûr, on va essayer de se trouver en sécurité. Ici ils pourraient venir fermer du métal. Eh ça pop là. Le truc là qui pop. Ah ouais. Derrière nous il est encore. On se casse ou quoi? On fait quoi? On trace. On essaie de se barrer. Trace. Oui, il faut les éviter, on continue. Ouais, on essaie d'aller jusqu'à la tour violette, voir ce qu'il y a. Ok, si j'ai une stamina, parce que là, moi, niveau stamina, je risque de m'arrêter un moment. Attends, j'ai pris dans pop encore, il y en a un deuxième qui pop. Il y a un deuxième king. Ouais, mais le problème, c'est que je freeze. Oh, ah bah là, je pense qu'en fait, on a fait une connerie. Il rouge hein. Ah, ça se il m'attaque, il m'attaque le salaud. Je pense que je vais passer. Il y a un endroit safe là, je pense. Où ça? Il y a une grotte à gauche. Il y a une grotte, mais je suis pas sûr qu'on y arrive. Ah non. Aïe, il fait mal. Il faut continuer. Oh putain, ça pop sur moi, Il y a 3 kings maintenant, il y a 3 kings derrière nous, j'ai plus de stamina, j'ai plus de m'arrêter. Allez, on continue, gars. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, c'est avec vous. Faut sauter. Spam seul. Ouais, mais là j'arrive à la tour, c'est cool. Sauf que ma stamina, il me reste une toute petite barre. Il reste qu'un Reaper. Vas-y, c'est bon, prends ta stam, Gadu. Y'a plus personne?
Il est derrière vous, ils sont derrière vous. Il y en a deux derrière vous là. Il y en a un autre qui pop, un troisième. Vous êtes sous là. Il y en a quatre. Ouais, vous êtes sous. Je suis sous la tour violette, moi, perso. Hein. Je vais voir ce qu'il y a. Il y en a un autre qui pop sur moi encore, un cinquième. Il y en a. C'est un bordel. Ouais, c'est quoi ce je vais mourir. Mais j'en ai refait pop deux autres encore. Ah non, je suis passé. Je peux plus bouger. Je m'occupe. J'en ai 3 ou 4 au cul. Ça réussit à remonter. Merci, Siri Wolf. Mais ça remonte. Hein. Oh, il y en a 2 sur moi. Il faut que je pars. Ouais, pars, continue. La stamina, faut qu'elle remonte. Ma vie remonte pas. Je suis encore à peine au tiers. Il y en a un autre qui pop encore. Encore un. Wouh, encore un. Il faut que tu montes sur les rochers. Ouais, bah j'essaye de. Moi je suis. Kaya. La stamina remonte à moitié. Bah y'a un modo qui peut me TP parce que je suis bugué dans un trou là. Ouais non. En plus on a des bugs, alors ça c'est cool. Oh non mais là ils sont devant moi. Alors je peux pas regarder si elle... Je t'avouerai que moi, moi perso je rentre si j'arrive, ok. Parce que là c'est pas possible. Ah je suis bugué dans un trou moi aussi. Et, ah bah ouais, y'a des drops, y'a des drops aussi. Regardez, y'a des drops. Cadure ou... Non voilà, je suis occupé. Ouais pareil. On va tous y passer, on est là, je crois. Alors. Je crois qu'on va tous y passer. Alors là, parce que là... Faudrait qu'on essaye de sprinter jusqu'à la sortie pour revenir repartir en bas. Oui, ouais, c'est alors, là, j'ai un truc à péter là. Totalement. Il y a un drop quoi, okay. Ah, je vais crever. Est-ce que vous me voyez? Moi, je vois rien du tout. Par contre, je vois des ors de qui pop partout. Je suis tout seul, je crois. Hein. Je crois que je suis tout seul. Et il y a une saloperie, là, un king qui me suit. Je saute. Si j'arrive à revenir à l'abri, je le fais. Hein. Mais là pour le coup, je crois que c'est mort. Ceux qui sont près de l'arche, venez à l'arche et puis on va. Je connais la route pour retourner en bas donc. Je prends des coups. Vu par où on était passé. Ouais, je sais. Bah, je sais pas c'est qui essuie en fait. Au milieu de l'arche. Ah bah non, c'est moi. Ouais, je suis mort, j'ai plus Samina. D'accord, je vois Drax, si j'étais là, oui, on a fait des bugs. Je prends des coups. Je prends des coups. Ouais, attends, Samina. Je vais l'aider, je suis en train de. Ouais, bah là je suis mort. Mon ravageur meurt là, voilà, je suis à poil. Je suis à pied, j'arrive à côté d'un drop naturel. Je vais aller voir quand même si je peux y aller. Ah merde, t'es mort. J'ai un pop, j'ai un drop qui tombe du ciel là. Ah, je suis mort juste avant. Il était violet. Voilà. Oh non. Alors ça c'est dommage, donc comme quoi à la surface il ne faut pas aller. Hein, d'accord. On va calmer le jeu, hein. Je repop au bête, mais il y en a déjà un qui a repop. Mais ce qui était important, je pense, c'est les éléments or là. Ouais, j'en ai récupéré moi. Je pars à la sortie. Allez, avant, c'est pas le temps de chier. Qu'est-ce qu'il faut? Par contre, il n'y a plus de lit à la base. Hein, parce que du coup, il y a. Il y a Drax, tout le monde qui repop là-bas. Ouais, il y a moi et Drax. Donc il reste les lits que t'as posé au milieu là. C'est le lit. Il y a des drops ou pas? Et je me demande s'il en reste un. Ouais, si, il reste un lit. Bah, je suis avec toi en fait. Il reste juste le lit que j'ai posé tout à l'heure dans le biome. Non, il reste un lit, il me semble. Encore à la base. Heureusement qu'on a évidé le stuff avant. Par contre, les ravageurs. Allez, viens, Drax, on y va. Viens, on se casse. Il y a combien de ravageurs qui sont morts? Deux là? Deux ou trois? Ouais, j'ai réussi à rentrer. Si vous arrivez à rentrer. C'est des petits. Donc ça va. T'as réussi à tomber dans le trou et ils suivent pas? Ouais, non, ils suivent pas. Parce que moi j'en ai 5 à mon cul. Et tu peux sauter, hein. Tu peux sauter, on prend pas de dégâts. Ok. Ouais, y'a pas très haut, ouais. Ah merde, je suis pas au bon endroit là. Ah si, je suis là. Bon. Bon, on y va, sérieux. Je vois, quand je dis que 5000 de vie, c'est pas trop sur un ravageur. Et ah ouais, grave. Ce qu'on va faire, on va faire une ellipse le temps que vous reveniez et on regarde les inventaires pour voir ce que vous avez eu. Parce que moi je veux voir les éléments or là, tout ça. Là. On fait ça? Ouais. Il me suit. De toute façon, je saute en trou. Un peu de niveau. Et bien on se prend de suite. À l'ellipse. Je vais mourir, Kaya. Voilà, tout le monde est rentré à la base. Alors, si je compte bien, il y a eu moi et Dark et Drax, pardon, qui sont morts. Kaya aussi. Ouais. Kaya est mort mais sans le ravageur, il a sauté avant parce que le ravageur était sur un caillou, lui il est mort par l'acide, c'est ça? Oui, et Kabur, Siri Wolf et Izilou sont rentrés. Tout à fait. C'est ça? Donc ouais, le stuff quand même est assez conséquent de ce qui a été perdu. Parce que les armures là... Les tenues anti-radiation, puis tout l'équipement qu'on avait. Ouais, c'est assez chiant, ouais. Et il y a eu des éléments quand même, des éléments or qui sont... Bah tiens, je les ai là, tiens, je te les donne là. T'es où? Je vois pas ton nom. Ah t'es là, excuse-moi. Ah ici, voilà. Voilà, donc après, à quoi ça sert? Encore, on verra bien. Ça, on le verra, par contre, vous en avez pas mal hein, quand même. Hein. Et c'est assez y en a 100 plus encore 34 là-bas. Ouais. Donc 134, il y en a un total. Okay. Et il y a encore dans mon ravageur. Ah bon, bah alors ça va. Ok, donc 150 à peu près, quoi. C'est ça? 200? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah on verra ce qu'on en fait avec. Hein. Je pense que c'est pour. Bah, c'est peut-être pour crafter les éléments, justement. Qu'on avait ouais, vu, ou là, peut-être d'autres crafts qu'on n'a pas encore débloqués. Mais... Ou alors d'autres crafts. Mais franchement, ils courent vite, hein, les aliens, hein.
Ouais. Bah, moi j'avais du mal à les distancer, hein. J'étais obligé de sauter pour éviter leur coup parce que sinon ils me touchaient, puis après, bah, plus de 5000 là et voilà, mort. Ouais. Sinon, il faut lui montrer les grenades bizarres là. Y'a Yur qui monte au piolet sur la maison. Mmh. Bah oui, les grenades bizarres, effectivement. Ah oui, tiens, ce qu'on a trouvé, on sait pas comment qu'on a récupéré ça. Alors, à l'épisode 8, c'est ça ? C'est l'épisode des fruits, alors exactement, ça s'appelle. Donc, des plantes SPZ fruits, et c'est une arme. Vas-y, bah, balance pour voir. Ouais, voilà. Alors là, je vais lancer ça. Non, mais balance ou. Non, balance. Ah ! Inventaire quoi. Voilà, ah, c'est une grenade flash qui fait un peu bizarre. Ouais, mais donne-lui. Vas-y, refais parce que du coup, j'ai pas vu. Cerebo, faut lancer. Parce que là, je vois plus rien. Hop, attends, pire, je te la lance au pied. Apparemment, ça fait pas de dégâts, ça t'aveugle en fait. Bah, vas-y, essaye, de toute façon, pire, je meurs, je suis pas loin. Voilà. Donc, ça m'aveugle, donc c'est une grenade flash, hein, parce que là, ok. Et à part ça, oui, attends, il y a autre chose ou. En bas à droite, c'est marqué que c'est flashbang, c'est tout ce qui est marqué. Ouais, c'est tout. Donc, vas-y, voilà. Balance lui. Je pense que c'était sur les fruits avec qui tirait des. Regarde, c'est la dernière qui reste. Il y a une langue qui sortait, une espèce de langue là, et je pense que c'était ça. Ah, bah, je vais essayer pour voir aussi, hein, comment ça jette, mais pour le fun. Alors, on a. Oh, c'est comme une grenade. Hein. Là, t'es pas beaucoup aussi. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, on retournera là-bas pour essayer d'en trouver. On a pas fait gaffe comme qu'on a fait pour en avoir. Effectivement, et les dinos sont pas contents, hein, côté. Bah en fait ils sont aveuglés donc ils voient rien donc je pense que ça peut être utile quand on. En fait ça on attaquait. En fait on a pas pensé mais on aurait dû les utiliser. Ouais c'est exactement ça que je pensais. Bah oui. On les jetait et c'était aveuglé, ça nous permet de courir. Ouais peut-être bien, on n'a pas pensé sur le coup. Et ça t'enlève de la selle du dino. Ah ouais en plus. Ouais. Ah. Donc en PVP c'est cheaté. Ah ouais, en PVP ça peut être pas mal effectivement, moi je pense qu'ils vont beaucoup l'utiliser hein, sur le serveur PVP. Je vous rappelle aussi, nous sommes sur le RP3 avec tous les éléments en x3, enfin tous les éléments, tous les. Le Tame, le Harvest, tout ça. Et il y a aussi le PVP qui est en x5. Hein. Si ça vous intéresse, vous passez sur le forum, sur le TS, sur le site. Il y a toutes les infos. Et vous demandez au modo si jamais vous n'avez pas le faire. À rejoindre, je parle. Voilà. Si on a fait le tour, on va se laisser. Le piolet, on n'aura pas essayé, malheureusement. Mais je pense que c'est pas. Même les ailes aussi, on verra ça pour un prochain épisode. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu les ailes, mais on a tout paumé, donc ça c'est fait. On fera ça peut-être la prochaine fois, on verra. Sur ce, on va se laisser. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bye bye. Allez, bye bye.